ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Madame Ramata Lee Bakayoko. Professeur titulaire des universités, Lee Ramata Bakayoko, mariée et mère de trois enfants, est née le 29 juillet 1955 à Abidjan. Son cursus universitaire commence avec l'obtention du baccalauréat série C en juillet 1974. En 1980, elle décroche le doctorat en chirurgie dentaire à l'Université de Paris 7. En novembre 1990, elle obtient le diplôme d'agrégation en odontostomatologie avant d'être titularisée en juillet 1994. Présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody depuis février 2012, celle qui succède au ministre Niamien Konan est vice-présidente du conseil d'administration du Centre régional d'évaluation en santé et d'accréditation des établissements sanitaires en Afrique. Lee Ramata Bakayoko a été aussi présidente du jury de la section odontostomatologie du concours d'agrégation en 2004, 2006, 2008 et 2010. Elle a contribué à l'élaboration de la réforme de l'enseignement supérieur en 2012. Nommée ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, cette universitaire, rompue à la tâche, reste dans son milieu naturel. Après 20 mois passés à la tête du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Niamien Konan cède son fauteuil à Ramata Lee Bakayoko. Ramata Lee Bakayoko occupait avant cette nouvelle fonction la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle devra trouver des solutions aux problèmes qui minent le système universitaire et rendre possible l'effectivité du projet de l'université virtuelle. Quant à Niamien Konan, il s'occupera désormais du portefeuille du ministère de l'Habitat et du logement social. Durel.